Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 39e épisode de la série Dex High. En pleine peste noire, hein, toujours dans l'espoir de survivre à cette peste noire. Ce serait vraiment dommage d'avoir perdu tout ça. Alors, j'ai fait un petit point aujourd'hui parce que j'ai fait une semaine que j'ai pas tourné. J'étais incapable de me souvenir pourquoi j'étais allé aider le roi d'Irlande dans sa guerre. Alors là, il m'a fallu un temps fou pour dire mais pourquoi t'es allé faire ça? C'est parce qu'en fait le personnage qui a déclenché la rébellion n'est autre que la personne qui détient le duc d'Anjou, le titre du duc d'Anjou, duché d'Anjou. Et comme je veux l'usurper, que c'est sa dernière guerre, je veux l'aider. Puis j'ai pas envie qu'il passe. Parce que je crois, hein, c'est une guerre de tyrannie. Et je pense que s'il gagne, renverser le seigneur, ouais, voilà, il prendrait sa place. Alors après, là, c'est même pas la peine. Donc j'ai sorti toutes les troupes que je pouvais, c'est-à-dire quasiment pas grand-chose. C'est la tristesse totale. En même temps, je pense que c'est dû aussi aux maladies. J'ai refait un point dans mes vassaux. J'ai donné un ou deux comtés supplémentaires qui n'allaient pas dans les duchés. Par exemple, celui-là allait dans le duché de Penthièvre, mais comme je suis pas prêt de le récupérer, bah, je l'ai rattaché à ce duché-là. Vous m'avez proposé d'augmenter le légalisme. Alors, c'est pas exactement le légalisme, en fait, c'est la majesté qui permet de débloquer l'administration impériale. Mais j'ai regardé, pour ça, faut être empereur, donc c'est pas possible. Donc, clairement, là, pour les vassaux, j'ai pas beaucoup de solutions. Donc j'ai fait des invitations comme d'hab à la cour, etc. Alors normalement ça va, on va le voir arriver, mais j'ai fait une demande de fiançailles. Alors ça c'est pareil, hein. C'est très très compliqué les enfants entre les morts qu'il y a eu, etc. Mais bon, je voulais quand même que mon personnage soit marié, soit fiancé. Ça va se déclencher là assez prochainement. Et ma sœur, je crois que je lui ai toujours pas trouvé quelqu'un. C'est vraiment compliqué, hein, les alliances, on peut quasiment. Le problème c'est qu'il y a plus que des grands territoires, donc c'est très compliqué d'avoir des alliances. Ou après, si, il faut avoir des alliances avec des duchés importants, des duchés importants en sein de cette personne, quoi. C'est vrai que, ouais, après, il y a toujours cette possibilité-là. Bon, lui, clairement, il a pas de famille, donc c'est pas la peine, mais... éventuellement, lui, peut-être, oui, avec un de ses enfants. C'est vrai que j'ai pas pensé à ce détail. Ça fait 5000 troupes, c'est pas énorme. Après, ils sont assez loin, quoi. Clairement, c'est ça le problème aussi, c'est qu'ils sont assez loin de chez moi. Éventuellement, là, là, c'est pas mal. Et voilà, c'est quelqu'un qui a pas d'enfant, il est trop jeune. C'est assez loin de chez moi, c'est moins loin. Enfin, c'est moins intéressant aussi, donc... je vais attendre de voir. On va attendre de voir un petit peu ce que ça donne. Donc, c'est parti, on enlève la pause. Il voulait rejoindre ma cour, enfin tout ce... Voilà, alors... Voilà, je veux me marier avec elle, c'est une comtesse, hein, mais honnêtement, je vais pas vous montrer toutes les possibilités, mais il y en a pas. Elle est pas trop mal, elle a 10 ans. Bon, on pourrait récupérer ça, ça à la limite, on s'en fout un peu. Mais voilà. Oh, la peste ravage l'Afrique. Ouais, bah bien sûr, hein, c'est sûr que... En fait, je suis en train de me dire, attendez, je vérifie avant de dire des bêtises. Presque le bon plan, en fait, ce serait de récupérer l'Islande. Alors, ça, je vais pas le faire maintenant, hein. Mais tu récupères l'Islande, et en fait, bon, là, faudrait être adulte, donc c'est pas valable. Tu mets ton personnage en escorte, tu l'envoies un peu en espèce de maison de vacances ici pendant la peste, et tu t'isoles en menant tes troupes là-bas pour être sûr de pas mourir. Pendant que tout le reste, c'est parce que je suis pas sûr que la peste aille jusqu'à là-bas, faudrait que je surveille. Mais là, elle est... si, elle est ici aussi, mais est-ce qu'elle va jusqu'en Islande? Je sais pas. Mais bon, voilà, bref, c'était ma petite idée. Donc c'est pareil, j'ai pas assez de bateaux, hein, pour transporter mes troupes en une seule fois. Ouais, quand je vous dis que c'est la merde. Ah, bah ça y est, y'a plus de pack défensif contre moi, tiens, ça c'est la bonne nouvelle. Ouais, la peste ravage, un cintre est passé. Regardez, on a même pas de commandant, enfin la dèche des commandants, c'est vraiment la cata. Donc on va scinder les troupes en deux, puis on va aller faire deux débarquements successifs. Oh là, en fait ça suffit, plus vite. Un autre cintre est passé.
Un autre cintre est passé, bah ouais hein. Alors c'est... je suis pas regardé par contre si c'était des saints ou pas, ou si c'était canonisé ou non, mais non pas tous quand même. Hein. Mais ouais non mais en même temps c'est normal, enfin. Ça continue. Mettre fin au complot, il veut pas. On va le laisser, je sais pas trop ce que c'est le complot, mais. Faut pas être sur tous les fronts. J'ai plus qu'un seul général, c'est pas très grave hein, mais tiens, il y a un nouveau pack défensif contre moi. Il me fait de me dépêcher de déclencher une guerre à ce moment là mais... je suis pas pressé honnêtement, j'ai pas de troupes. Peuvent se marier, mon courtisan. Ouais, si tu veux. Il y a tellement de trucs, enfin, avec les morts, comme je vous ai dit la dernière fois, je m'en occupe même pas parce que je passerai mon temps à faire que ça. Ouais, alors là, mes dépenses sont un peu violentes. Je sais pourquoi. Parce que j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. On va la corriger tout de suite. Un peu mes finances, j'espère en tout cas. On va ranger les bateaux aussi. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai la possibilité d'augmenter mon escorte et je l'ai fait. Sauf qu'au même temps, augmenter une escorte c'est bien, mais ça coûte énormément cher le temps qu'elle se fabrique. Donc du coup, ça plus les troupes levées, les bateaux, oups, donc, ça devrait remonter un petit peu, ouais, pas suffisamment. Ah, tant pis, j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur. Grosse erreur même. Lui, au commandant, je pourrais le... Wow. Non, j'ai pas envie de l'emprisonner. Non, plus, de toute façon. Bah, je peux. Bon, on va vite lui faire son siège ici à lui, comme ça, ça va tout de suite le calmer au niveau du score là. Néanmoins, je vais peut-être emprunter de l'argent pour être tranquille. Voilà. Je rembourserai hein, l'argent, j'en gagne toujours. C'est juste que là, j'ai mal géré. Bon, on va finir par plus avoir de commandant, hein, tellement c'est la crise. Je prends n'importe qui. Hein. C'est une déclaration de guerre officielle. Nos armées vont se. Qu'est-ce qui se passe? Dispute française Sargue pour le Rouergue. Il y a combien de troupes lui? Ah merde! Actuellement je suis un peu dans la merdouille en fait, j'ai plus grand chose. Hein. J'avais pas prévu ça moi, merde. Alors il va falloir que je fasse quelque chose là, mes comptés. Pfff.
l'impression que la peste est en train de se calmer quand même. Ouais. Ouais. Putain, si ça pouvait se dépêcher et continuer comme ça. De toute façon, malgré tout, j'ai trop de vassaux. Autant les duchés, je peux pas faire grand chose. Les comtés. Ouais, mais là ça m'apportera rien parce que c'est des comtés qui sont tout seuls quoi. Le problème il est là, c'est que. En fait, il faudrait que je sois assez grand pour voter la centralisation. Tant que j'ai cet âge là, je peux pas quoi. Bon, on va voir comment ça se passe, chaque chose en son temps, on va essayer déjà de supprimer lui. Parce que d'ailleurs, si on récupère son titre à lui, bah, c'est que du bonus quoi. On va faire un assaut. Je sais pas où il se planque. Je puisse rentrer chez moi. Il y a des rebelles là-bas, si je tue les rebelles, c'est fini, après ils pourront plus rien faire. Ouais, surtout qu'il y a des troupes de Sardaigne qui arrivent là. On va peut-être pouvoir les éclater, hein. J'en sais rien, mais. Bon, ça débarque en masse chez moi là. Ouais, là il y a du monde. Alors après, le problème c'est que. Ouais, de toute façon, on peut pas forger d'alliance. J'ai pas grand chose en alliance intéressante. Hein. C'est ma sœur, ouais, elle est toute pourrie quoi. Peut-être dissuader d'intégrer une faction. On va se calmer pour le moment. Hein. On va se calmer. Il faut vraiment que la guerre contre lui se termine. Où j'en suis moi? Oui, pardon. J'ai fait n'importe quoi là. On commence. Voilà, c'est mieux. On va débarquer à Nantes. Si on tape sur eux, je pense que la guerre est finie. Si je peux l'usurper dans la foulée à lui, je pense que ce serait faisable, son titre. Ah bah tiens, oui, sinon c'est pas drôle. C'est pas drôle sinon, hein, plus de conflits encore. Ma tante et le roi du pays de Galles. Je sais pas si c'est une très bonne idée, mais on va le faire quand même. La reine d'Aragon et mon courtisan, ouais, si tu veux. Allez, faut les choper là. Non, mais on va pas s'amuser tout le temps. Ah, cette fois-ci, c'est bon. Allez, hop. Chaplain, bah tiens-toi. Quelle situation de merde. Question, la peste est terminée, on va rouvrir les portes tout de suite. Si vous voulez bien. La guerre est finie, ok. Bah oui, faut que j'attende qu'ils finissent la guerre, maintenant c'est pas moi qui peux le faire. Ah bah voilà, ça va aller mieux ça. Donc je l'ai aidé, parfait. Maintenant, est-ce que l'autre qui n'est plus en guerre là? Ok, j'ai pas le fric, putain. Moi je peux pas emprunter, j'ai pas assez de piété. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça remonte, hein. Et c'est bon, je vais pouvoir l'usurper. Sauf que. Il va d'abord falloir régler un autre problème.
Ouf, ça fait du bien ça. Ah, alors, ce qu'on va faire, oui, il y a aussi la rébellion qui est là. Excusez-moi. Terminé. Voilà, il n'y a plus de révolte paysanne. Ça au moins, c'est fait. Quant à ici, on va aller s'en occuper très vite. Voilà, donc eux, on va les rentrer. C'est pas la peine, c'est trop de troupes de sortie. Pareil. Ça y est. Hop hop hop, on se calme. Nos parents et ils sont tous neufs. Ok, très bien. Donc on est adulte, on est clairement pas terrible. Hein. On a abandonné les roturiers, on a une dette, on manque de fonds. Je sais. J'en perds moins, c'est bien. Un intérêt. C'est quoi déjà pour le saint? C'est diplomatie du dirigeant. Bah, faut qu'on se booste. Hein. Voilà. Maximum qu'on peut. Une fois que toutes ces guerres seront finies, on va faire un gros point sur plein de choses. Hein. Là, je le fais un peu à l'arrache, mais. Je sais qu'il y a des messages dans tous les coins, c'est un peu le bazar, mais on va régler ça. Question, si j'appuie mes exigences, il va me donner de l'argent. Et je vais gagner un peu de prestige, donc ouais, on va faire en sorte d'aller jusqu'au bout. On va aller lui faire les sièges de tout ça, là, ça va le calmer très vite. Très très vite. On a survécu à la peste noire, c'est déjà quelque chose d'énorme. On se sépare en deux. Un là. Un là. Choisir une ambition. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Se faire un ami. Ce serait pas mal ça, de se faire un ami. En attendant de pouvoir préparer la succession. Et pour ça, qui c'est qui nous aime bien à la cour? Le duc de Bretagne. Et ben on va l'influencer positivement. Je pense qu'il y a moyen de s'en faire un ami. Pas ripailler ou ce genre de choses, hein, je crois pas. Non, faut que je sois en paix. Alors en attendant, où est-ce qu'il est, on a dit? C'est là, le duché, il est à Nantes. Donc toi, il est à Nantes, t'améliores les relations avec lui. Ça. Voilà, déjà on est remonté à 46%. On va faire le siège de tout ça. Ça va être pas mal. Mes coffres sont presque vides. Envoyez l'intendant augmenter les taxes. Calmer les paysans, on va augmenter les taxes. Parce que c'est un peu la merde. Pas couronné, effectivement. Pour rechercher un forgeron, non merci, c'est pas prioritaire. Les titres peuvent être créés duché d'Anjou, duché du Berry. Compte d'Anjou à dénonciation publique, mais dans la possibilité de l'arrêter, il est quoi lui? Compte d'Armagnac. Non, je m'en fous. Attends, ces informations pour nous. Voilà, on va peut-être pas attaquer les châteaux parce que c'est quand même bien défendu. Par contre, non, tu ne regardes, tu vas pas te diriger les troupes, toi, sûrement pas. Hein. Lui non plus.
l'instant, ça donnera un bon coup de main que l'autre il me donne du fric là, donc raison de plus pour aller jusqu'au bout de du conflit. Elle est montée à 100%, ça devrait le faire. J'aime pas trop ta tronche toi, tu manques un peu de barbouille. Bon, t'es un peu jeune, tu me diras, pour avoir une belle barbe, mais quand même. Bon, y'a pas grand choix, on va le mettre comme ça. Allez. Ouais, 16 ans, ouais. Comme je vous dis, hein, je sais que c'est un peu à l'arrache, j'attends juste de finir mes conflits, et après, on se pose. Plus de conseiller. On a trouvé un apostat. On va le brûler. On va la brûler. Avec mon illustre instruction sur toutes les questions diplomatiques, je ne devrais pas avoir mal à me faire aimer du Duquermen. Je vais envoyer un émissaire. Ok, on va tenter ça. Comme prévu, on a réussi à le convaincre. Voilà, il nous aime mieux. On va aller là quand même pour lui péter la tronche. L'argent qui remonte, qui vacille à toute vitesse, je comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est l'argent qu'on vole ou... J'ai pas trop compris ce qui s'est passé avec le fric, mais c'est pas grave. Bah, ici on déclenchera un assaut dès que possible. On va récupérer notre territoire. Voilà, on va venir là, mais là je pense que ça va être bon. On s'en va. Il me donne du fric, ça c'est une bonne nouvelle. On va usurper. Ah, je peux usurper le royaume d'Irlande. On va faire tout ça, mais tranquillement. J'aimerais bien usurper d'abord le recréer le duché de l'Anjou. Si c'est possible. Voilà. Et bien sûr, je vais le donner, hein, je vais pas me le garder pour moi. Comtesse de Périgord, comtesse de Vendôme. Il y a tellement de personnes qui ont rien à voir avec lui. Je peux pas lui soustraire la comtesse du Périgord. Soustraire un vassal. Ah si, elle est là. Peut-être. C'est à considérer une violation, ce qui manquerait votre... Non, on va pas faire ça tout de suite. Cela dit, donc on a dit, on recommence. Le duché d'Anjou. Tac, tac. Lui, peu importe en fait, hein, je m'en fous un petit peu. Ah ouais, non, là ça va directement basculer à quelqu'un d'autre. Toi, exiger une conversion religieuse, non, il veut pas, donc c'est sûrement pas toi que je vais la donner. Il a quel âge, 23 ans, elle en a 21, elle est enceinte. Allez, accorder un titre foncier, le duché d'Anjou. Ah, ça redescend. Ça redescend. Sérieusement. Et là, c'est bien, ça. Ça redescend très sérieusement. Mais attendez, on n'a pas fini. Parce que j'ai vu qu'on pouvait en créer encore d'autres, après. Mais là, vite, on va ranger les troupes. Très très cher. Ouais, bon, notre escorte a pris très très cher. Un peu d'argent tout ça. Je peux récupérer usurper le royaume d'Irlande. On va le faire. Voilà. Parce que prestige, hein, tout simplement. Qu'on n'était plus à ça près. Ça en fait des royaumes. Hein. Je crois que je vais finir par en détruire. Hein. Enfin, je vais peser le pour et le contre, mais à mon avis.
Qu'est-ce qu'on a dans les dans tout ça là? Envoyer un petit peu d'argent. Pas trop non plus. Il faut aussi rembourser. Ouais, surtout que ça nous coûte un peu cher les dépenses là. On va rembourser quand même notre dette. J'aurais peut-être pas dû parce que c'est vrai que j'ai des dépenses qui me coûtent très très cher. Vous savez quoi? Escorte, ça coûte cher. Je me demande si... Ouais, ce que je vais faire, je vais supprimer mon escorte complètement. Voilà. J'en ai plus besoin. Ça me coûte trop trop cher. On va regagner de l'argent et plus tard je referai une escorte. Poser une vassalisation. Ouais bah de toute façon ceux qui veulent pas là ils vont l'être de force, hein, ils vont pas avoir le choix. Je peux créer le duché d'Auvergne. Enfin là je peux rien faire parce que j'ai pas de sous. Le duché du Bourbon, le duché de Metz. On va essayer de créer un maximum de titres hein, pour pouvoir déléguer des comtés. Alors, voyons voir. Lui, il a 19. Bon, il n'y a pas beaucoup mieux, effectivement. Notre maréchal, est-ce qu'on a mieux? Ouais, c'est pas ouf. Hein. Toi, je vais plutôt te nommer commandant. Toi aussi. En intendant, qu'est-ce qu'on a? Il va pas faire mon feu, lui. Yes. Bah, lui, il nous aime bien, le duc d'Anjou, forcément. Il est pas terrible, mais on va le prendre quand même. Et on va percevoir l'impôt à Caen. Lui, on va faire des recherches militaires à Mortain. On continue d'améliorer les relations avec lui, intrigué. Et donc, au niveau religion... Alors ouais, ce qui me plaît pas, c'est qu'on peut pas voir plus en détail les religions par couleur, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas, enfin il y en a qui sont Lollard, etc, etc. Il me semblait qu'on pourrait le voir facilement ça. Bon après je peux peut-être prendre dans mes vassaux, hein. Si je prends mes vassaux et que je mets autre religion, vous voyez on les a là, voilà. Donc on peut essayer de faire... ouais, on peut même pas lui demander. Donc il est où lui? Intendant de Warwick. Ouais, mais alors attendez, c'est pareil. Est-ce que pour autant le comté de Warwick est comme ça? Non. Il faudrait mettre titré. Oui. Voilà, donc là ça veut dire que Cholet Bon, on va déjà faire ça. Faire du prosélytisme. Ici. Il sert à quelque chose, un personnage religieux. Tant qu'à faire. Au niveau des titres, le grand veneur, qui c'est qu'on a qui ne nous aime pas trop? Qui est important? On va le donner au bourgmestre de Paris. Les chansons au duc de Flandre. Le sénéchal, on va le donner au duc de Bourgogne. Tuteur de la cour. Alors là. Bah notre tante qui nous aime pas trop, allez, tiens, on va la faire tutrice, elle sera contente. Ou pas. On verra pour recruter après des commandants. Au poste de conseiller, la duchesse de Picardie, gna, c'est vrai qu'elle est assez puissante hein, quand même. Peut-être si je voulais être tranquille, je sais pas si elle m'aime bien. On va préférer quelqu'un qui m'aime bien. Le comte du Vexin, tiens, il m'aime bien. Allez hop, ça fait encore une personne qui m'aime bien. Ouais, si je voulais être tranquille, je passe en centralisé là, en centralisation minimale, et au moins je suis tranquille, mais bon, j'aurai un tout petit domaine, je dirais qu'il est déjà pas grand. Hein. Et au moins je suis tranquille, mais on va peut-être essayer de voir faire ça différemment. On pourrait faire ça. Révoquer, imposer l'autorité religieuse sur ces sujets peut saisir les titres des infidèles et des hérétiques librement. On pourrait faire ça, tiens. On va tenter de voter ça. Et si je vais en France, agnatico-cognatique. Angleterre, c'est bon. En Irlande, agnatico-cognatique.
en bas d'Ajose, Agnatico-Cognatique. Et ici, je ne peux pas... Ah, il y a quelqu'un là-bas qui a une opinion négative de moi. Ouais, bah toi, par exemple. On va le rançonner, allez, on va le libérer, lui. Ça. Voilà, l'argent va un petit peu remonter. On pourra organiser une cérémonie de couronnement. On va attendre encore un tout petit peu. Pourquoi je peux l'emprisonner, le mettre fin au complot? Non. Essayer de l'influencer, elle. Odgar est en réalité légitime, j'en ai rien à foutre. Clairement, je m'en tape. On peut appuyer énormément de revendications, bien sûr. Créer des titres, on va déjà essayer de créer des titres avant de se jeter sur les autres. Parce que la majorité des gens, je pense que de toute façon, si je vais lui proposer vassalation, on va pas vouloir. Proposer une vassalisation à eux, elle veut pas. Lui, je crois qu'il m'avait dit non. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah lui c'est le duc, il va sûrement pas vouloir. Barcelone, je pense qu'on arrivera à le récupérer sans problème. La reine d'Aragon, ouais, pas terrible, parce que c'est pas très grand son truc. Ouais, il y a peut-être moyen de faire quelque chose là. Après. Notanam a gagné la reconnaissance. J'aurais bien aimé lui offrir, mais c'est pas possible. C'est con hein. Le régent désigné pour le moment, je n'en mets pas parce que je ne sais pas qui prendre. On verra. Si on pourrait faire du légalisme, le fameux légalisme, alors après ça débloquera plus tard ça par contre. Pouvoir entièrement centraliser. Ça c'est pas mal aussi. On va prendre le légalisme. Là, alors là ça ne donne rien, mais le prochain niveau ça me donnera des trucs assez sympas. Parfait. Suivant. Bah, dès que je peux trop déplacer, toi, mois d'août, tu iras. On a dit où? Putain, je m'en tiens vraiment pas, hein, les trucs. Hein. Ah, ce folk. Ok, ce folk. On va voir si je retiens, c'est pas sûr. Bon, on peut avoir une meilleure armée, j'imagine, maintenant. Bah, du domaine, pas vraiment, hein. Clairement. En même temps, j'ai plus grand chose en territoire. Bah, en même temps, ouais, bon, il y a une forte dépopulation aussi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu la merde. Ça forme une alliance, très bien. Ah bah ça fait du bien d'avoir donné tout ça. C'est con qu'il veuille pas transférer le vassalage. Oh, c'est pour commencer à avoir des malus, on va se calmer. Hein. Peut-être nous demander de passer plus de temps avec moi. On va lui demander. T'es contente de me voir. Maintenant que j'ai tout le temps passé avec elle, j'espère la convaincre. Nous avons beaucoup en commun. Une fortune d'amitié serait une bonne chose. Ouais, si tu veux. Donc, on a des gens qui nous aiment pas trop ici. Hein. Ouais, bah, lui, il nous aime pas. Je lui ai rendu son duché. J'aurais peut-être pas dû. On risque de perdre le royaume de Valence et le duché de Majorque. Je pense que ces gens m'ont vraiment aidé Gnis à mieux me connaître et m'apprécier. Soit, ouais, on va dire qu'on espère qu'elle s'est sentie en sécurité.
On va organiser un grand tournoi. Ça coûte cher déjà, je sais plus. Ouais, ça coûte cher. Donc nous, on va attendre de créer des titres. Alors le duché d'Auvergne, tiens. Deux jures, c'est ça. À qui ça appartient, ça? Déjà duchesse de Mercy. Ouais, bah c'est... Ouais, mais elle, c'est une grosse catastrophe, quoi. Le mec, il récupère tout derrière, quoi. Ouais, après, le problème, c'est que ce qui s'applique à moi s'applique à... Ça s'applique à eux aussi, mais bon, moi, j'ai pas envie de prendre le risque pour moi de... passer en partage salique. C'est vrai que l'autre elle a tout quoi, enfin, c'est une catastrophe quoi. Un personnage comme ça il faut lui enlever, enfin, il est trop puissant quoi. Enfin, vous vous rendez compte? Enfin c'est pas elle mais bon c'est complètement écrasé quoi. Enfin... Même lui hein, lui il a un sacré héritage aussi hein, qui l'attend. Sœur et le comte Conan de Léon donnaient naissance à leur fils Conan, très bien. Courtisane et le prince d'Écosse, oh, si tu veux. On tape un peu pour dire vrai. Hein. Mais c'est quoi tout ça là? C'est en train de défendre contre le roi. Pour obtenir Gower. Attendez, parce que je vérifie, parce que ça me concerne un peu quand même. Hein. Attaquant dans la guerre de roi Gauthier du Pays de Galles pour obtenir Gower contre la duchesse. Gower, c'est quoi? C'est tout ça, là? Faut qu'il récupère tout ça, il me semble que c'était à lui, pourtant. Non, on va garder l'argent. Oui, donc, création des titres. Alors, le duché de Bourbon, c'est quoi? Ouais, sauf que... Je pourrais pas lui donner à lui, quoi. Ah, quoique si, peut-être. Il a trop de choses, lui, quoi. Duc d'Aquitaine... Ouais, faudrait que je lui enlève le duché d'Aquitaine parce qu'il a trop de choses sous le duché d'Aquitaine, mais... Je pense qu'il faudrait avoir un personnage un peu espion sur les bords et faire de l'espionnage et... Parce que là encore, on peut pas demander le partage salique. Donc ouais, à la moindre occasion, lui... Une révolte paysanne contre moi. Alors on va juste prendre un peu. Un cintre passé, comme toujours. Avancer mes troupes et du coup... Et non, mais non, mais non, grosse erreur, punaise. Ah là là, quoi. Thank you.
c'est gérer la piste, hein, je vous l'accorde. Mais bon. Ça m'en ras-le-bol ces conflits là. Si j'allais pas détruire des royaumes, voilà, il y aurait presque le coup, ça vaudrait presque le coup de devenir empereur en fait. Hein. Après, je l'ai jamais fait, donc je sais pas. Enfin, je peux pas le faire encore d'ailleurs. Je dois pas avoir, il faut 8000 de prestige et 1000 pièces d'or. Ouais. Ouais. Bon, on va voir tout ça, mais pff, malgré tout, je pourrais les recréer plus tard. Et je me dis, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir des autant de royaumes? Royaume d'Irlande, royaume de Badajoz. Ils seront très déçus. Au moins 40. Ouais, maintenant que ça existe, hein, pourquoi pas. Hein. Mais c'est dingue, hein, comme à chaque fois les gens ils sont sous lui, quoi, mais c'est pas possible. Enfin, je comprends pas, moi. Quoi contre lui là-bas là. C'est pas possible, ce mec il a tout quoi. Il y a trop de gens sous lui quoi, enfin c'est pas possible. Ah c'est la galère hein. Ça c'est... Voilà, on va le créer. Je vais lui donner. Sauf que ça me change rien, ça me fait même un vassal de plus parce que tous les autres titres là... Faut les soustraire à lui, quoi. C'est trop puissant, eux. Alors ouais, c'est bien, il a le duché de Flandre. Moi, ça me va très bien qu'il ait le duché de Flandre, mais il a trop de choses, quoi. Alors, il a aussi le duché d'Aquitaine. Ouais, ça fait beaucoup, quand même, hein. Conseille votre oui, mais je pense que je vais tenter de le faire. Hein. Je vais voir, je vais regarder ça tranquillement. Allez, je vais vous laisser là pour cet épisode. On a au moins géré la peste, on a survécu, on a récupéré le titre qu'on voulait. On a survécu à quelques petites guerres. Dites donc, la papauté est devenue bien indépendante. Elle est même assez bien ancrée dans le paysage. Oh bah tiens. Ouais, c'est un beau bordel hein, quand même. J'aurais bien aimé qu'il implose un peu plus, lui, mais pour le moment, c'est pas le cas. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. On se retrouve dans 48 heures, toujours pour la suite. Et puis, on verra bien, on va voir. On va voir ce qui se passe. Je vais faire des petits tests entre deux épisodes et on va voir ce que ça donne. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Portez-vous bien et à très vite. Bye bye.